J'ai commencé à jouer de la batterie à l'âge de 6 ans. Mon père était trompettiste professionnel, mais jouait aussi un petit peu de batterie. Et j'avoue que cela me fascinait. J'ai donc commencé à prendre des cours très jeune. Et je connaissais déjà les cymbales Zildjian tout simplement parce que les amis batteurs de mon père jouaient sur cette marque. En 1983, alors que j'étais en tournée aux États-Unis, le tour manager me dit « Tu sais que l'usine de fabrication des cymbales Zildjian est située à Boston et on va y passer. Tu devrais vraiment y faire un tour. » J'avais 19 ans à l'époque et la visite de cette usine m'a vraiment impressionné. Et c'est lors de cette visite que j'ai acheté une cymbale que j'adore, qui est la Ride 20 pouces de la série K, et que j'ai toujours avec moi à l'heure actuelle. Comme vous pouvez le constater, j'ai vraiment beaucoup joué sur cette cymbale. Il faut dire que j'ai toujours aimé ce type de son, et même si depuis j'ai investi dans des cymbales qui ont légèrement évolué au niveau du profil, je retrouve pratiquement le même son. Je suis resté complètement fidèle à cette série K depuis l'achat de cette fameuse cymbale à l'usine Zildjian en 1983. J'adore aussi bien sûr les magnifiques Constantinople avec le super son vintage qui s'apparente à celui des cymbales K d'autrefois. Et je peux dire aussi que je suis tombé littéralement amoureux des Charlet 14 pouces Constantinople, dont le son est à la fois très sombre et extrêmement profond. J'ai découvert le son des cymbales K Zildjian en écoutant des batteurs comme Steve Gadd, John Guérin ou encore Tony Williams. J'ai toujours adoré le côté à la fois sombre, riche et chaleureux du son de leurs cymbales. Il y a aussi une certaine brillance, mais une incroyable finesse. La série K a toujours eu ce son velouté et intense qui m'a fait craquer depuis le début. Et j'ai vraiment la chance aujourd'hui de pouvoir jouer sur ces cymbales.